Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo rapide où on va parler de quelques actualités Minecraft intéressantes. Déjà, on peut noter ce qu'a tweeté Dinerbone, c'est que le nouveau launcher Minecraft va donc sortir le week-end prochain, donc il a posté ça le 23 janvier, ce qui veut dire que la semaine du 30 janvier, on devrait pouvoir avoir ce nouveau launcher qui arrivera tout naturellement, comme il le dit. Il n'y a rien de spécial à faire, c'est juste le vieux qui va se mettre à jour en nouveau launcher. Mais plus intéressant, ici il y a des tests de palette avec la laine et également il a l'air de dire que la texture va être modifiée. Alors qu'est-ce que ça signifie ces changements de palette? Ben, il y a des couleurs plus vives, hein. On peut voir que le vieux jaune est un petit peu grisâtre, le nouveau jaune est plus vif, pareil pour le rouge par exemple. Ça revient un petit peu aux vieilles couleurs qu'il y avait autrefois sur Minecraft avec les laines. Et ce n'est pas tout. Très certain, c'est très probablement qu'il n'y aura plus qu'un seul fichier pour l'image de la laine, qui sera juste la texture en gris, et que le jeu recolorisera la laine indépendamment, ce qui permettra que le jeu soit un petit peu plus léger. Et il y a déjà quelques blocs qui ont ce type de recolorisation, hein, comme par exemple, à un moment, le bloc de l'End était tout gris pour la pierre de l'End, et elle se retrouvait recolorisée en jaune pâle automatiquement par le jeu. Pareil pour des changements sur les bannières, avec les vieilles bannières, vous voyez par exemple ce rouge foncé un petit peu moche, qui va devenir un rouge plus vif, etc. etc. Il y a des chances que les bannières connaissent des légers changements de colorisation. Ici on voit notamment une sorte de rose qui est plus mauve qu'autre chose et qui ressemble beaucoup à celui-là, et ici il y a un peu plus de différenciation. Donc ça va être assez intéressant à voir, mais surtout cette nouvelle intéressante, très intéressante, c'est qu'il va y avoir non pas une recolorisation de l'argile, mais tout simplement un nouveau bloc, complètement nouveau, qui va arriver pour Minecraft 1.12 et MCPE 1.1. Donc c'est vraiment intéressant de voir cette petite nouveauté. On va regarder ça en gros. Voilà, magnifique. Une belle petite texture, vraiment très utile pour faire de la construction moderne, par exemple. Ça va vraiment être sympa, c'est vraiment uni. Et ça pourrait remplacer avantageusement dans de nombreux cas l'argile. Parce qu'on voit le jaune, il est plus jaune, le vert, il a un vert plus vif. Et je crois que c'est aussi le bleu. On n'avait pas de vrai bleu avec l'argile. Alors que là, on a un bon bleu, bien bleu. Là, ça va être vraiment très pratique pour faire certaines constructions. Quant à la nature de ce bloc, bien pour le moment, on l'ignore. On ne sait pas ce que ce sera. C'est peut-être à mettre en lien avec les rumeurs qui sont peut-être fondées, comme quoi Minecraft 1.12 sera vraiment une mise à jour de décoration, et ça nous rappelle le fait que la créatrice de Decopack a été récemment embauchée par Minecraft. Donc c'est assez intéressant de voir tout ça. En attendant, une prochaine fois, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, donc je vais vous souhaiter tout le meilleur du monde, et je vais vous dire à bientôt.